mis à la retraite. Il y a trop de temps. Et donc, Oui, Faut pas que je fasse comme Michel. Ah non, Michel, ah, la belle-mère. Ah, ça c'est différent. Alors, elle est une fortune et puis il pas sûr. Ouais. Enlever quelques cheveux, alors je préfère garder la casquette. Voilà, bon, nous sommes réunis une fois de plus pour nous souvenir de cette malheureuse journée du 5 juillet à Oran où beaucoup de nos concitoyens ont été assassinés par le FLN sans que l'armée omniprésente à Oran ne lève le petit doigt, à l'exception de quelques-uns. Il y en a un parmi nous ici qui ont fait leur devoir. Je nommerai le colonel Salah qui est là derrière, qui lui était au deuxième bureau à Oran et qui a réussi à sauver pas mal de monde ce jour-là. Il y a eu quelques officiers, on citera surtout un musulman, le lieutenant Kefis, qui lui, à la tête d'une patrouille. Non, ce n'était pas une patrouille, il avait été versé dans la force locale, qui lui a agi, qui lui a fait quelque chose. Bel exemple quand même de... voilà. Il y avait à peu près 20 000 militaires à Oran dans les forces de 2e et 3e catégorie. Quand je parle de 2e et 3e catégorie, ce sont les militaires et ce sont les CRS, les flics, les trucs de ce genre-là, sans qu'ils ne bougent. Pourquoi ? Ils avaient obéi à un ordre. Je vais vous lire un petit passage. La France ne doit plus avoir aucune responsabilité dans le maintien de l'ordre après l'autodétermination. Elle aura le devoir d'assister les autorités algériennes, mais ce sera de l'assistance technique. Si les gens s'entre-massacrent, ce sera l'affaire des nouvelles autorités. On ne peut être plus explicite quand même. Monsieur de Gaulle, à l'exemple de Ponce Pilate, s'est lavé les mains de toute affaire. Et ce jour-là, les Oranais ont payé le prix fort. Voilà. Il savait fort bien parce que il avait monté une histoire, la force locale, l'exécutif provisoire. Une histoire qui n'avait aucun intérêt et sur lequel il comptait, mais enfin, je ne pense pas qu'il y comptait tellement. Voilà pourquoi plus d'un millier de nos compatriotes européens ont été tués dans des conditions affreuses ce jour-là. Je dis plus d'un millier, certains avancent des chiffres plus importants, 2000, 3000, je ne sais pas. Moi, j'ai, en tant que Oranais, en tant que chercheur en histoire,
j'ai fait des recherches, je me suis basé sur des témoignages absolument sans faille, et j'arrive à un chiffre minimum d'un millier d'Européens. Mais ce jour-là, les musulmans aussi, entre eux, se sont donné le compte, et on estime qu'il y a eu à peu près 700 morts du côté des musulmans. On a occulté ce genre de... Les chiffres officiels, je crois, c'est 25 morts européens, une centaine avec les musulmans, et des blessés. Déjà, c'est contredit par un historien algérien, Fouad Soufi, qui lui, déjà, au lieu de 25, il monte à 38, et par des témoignages qui sont absolument sans aucune... intouchable. Il y a un médecin dont le père est mort le 5 juillet et qui est allé à Oran, qui a demandé, qui a vu le registre de décès, a vu que son père avait été tué ce jour-là. Il a demandé au préfet, le wali algérien, il a demandé au préfet l'autorisation d'exhumer les corps qui étaient dans la fosse numéro 5 à Oran. Ils ont commencé, et il a obtenu l'autorisation, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'était en novembre 62. Il a obtenu l'autorisation d'exhumer les corps, ils ont commencé à exhumer les corps, ils ont sorti des corps d'enfants, ils ont sorti des corps de deux nonnes, alors que jusqu'alors personne n'avait parlé de ce truc-là. Et à la 14e personne, il a reconnu son père, il a arrêté là les recherches, il a pris son père et il l'a inhumé dans le caveau familial. On a appris qu'au fond de Tamazouet, du cimetière Tamazouet, sur la partie qui jouxte le quartier Lamure, il y avait deux fosses où étaient enterrés des gens sans mention de patronyme. C'était des SNP européens. Ceux qui ont vécu en Algérie savent ce que ça veut dire, SNP, sans nom patronymique. Et... il y a deux ans, les autorités algériennes ont décidé la France avait fait en 1955 de passage, paraît-il, d'une route à cet endroit-là. Ils en ont profité pour exhumer tous les corps qui étaient dans ce carré qui jouxtait le cimetière Lamure. J'en parle en connaissance de cause parce que j'avais mon père qui était là et qui a été exhumé. Et ils ont exhumé à peu près 200 cadavres de personnes qui avaient été tuées le 5 juillet, qui était son nom, et qui ont été réduits dans une dizaine de boîtes et qui sont dans un funérarium. Donc quand on nous raconte des histoires à dormir debout, Et qu'est-ce qui s'est passé? On a privilégié le terme de disparu. C'est facile. Un disparu, on espère toujours qu'il va réapparaître. Hein? On ne sait pas, il est peut-être parti en France et tout comme ça. Donc on a privilégié le terme de disparu parce que ça l'aurait fichu mal quand même que trois jours après l'indépendance de l'Algérie, les nouvelles autorités commencent par un massacre d'Européens. Sur le plan international, ça aurait fait quand même un peu tâche pour la LN et le FLN qui s'étaient refait une virginité dans le monde. On a privilégié le terme de disparu. Voilà, c'est très vague, un disparu ça peut réapparaître un jour ou l'autre. Et comme ça, passé muscade, on a escamoté ce genre de choses. Voilà. Bon, je vous en dirai pas plus, c'est pas... vous êtes presque tous au courant de ce qui s'est passé. Voilà, bon. Nous allons observer une minute de silence, si vous voulez bien.
Non, non, attends, tous les deux. Non, 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 je peux pas, je peux pas. Conversation, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions dans la mesure du possible, bien entendu. Voilà, si, si vous voulez. Donc, bon, pas de questions, c'est. On connaît l'histoire. Ouais. On connaît l'histoire. Oui, absolument. Ça, c'est pas tombé. Voilà. Au pied, voilà. Au pied. C'est qui va faire la photo? Non, non, non. Ah, non, non, j'ai la caméra. Je peux faire une photo. Il faudrait qu'il se regroupe parce que. Non, non, ouais. Nous venons de colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le bon drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y coucher, nous serions là. On couvrira ses pieds dans le tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains. Tu sais pas lire ou quoi? Ben oui, on est dans. C'est un peu le même genre. C'est Mimi la souris, l'anniversaire, Mimi la souris. Voilà. Et puis, c'est bien. La place du village, il est pas sur un GPS français. Ah, le petit village. Il y a une veille de la place du village, il n'y a que ça. Ah, ici. Mais t'as quoi?